Incroyable que t'es. C'est super, hein. Je vais me faire pleurer, dis donc. J'en ai content. De remporter le critérium des trésors il y a quelques minutes de cela. Allez, le Dieu. L'entraînement de Sébastien Garato, Xavier Lino et Eric Favreau. On fait un maximum de vous. Eric. Oui. Arrête-toi quand même. Bravo. Est-ce que tu sentais ton cheval dans un grand jour pour oser faire ce que tu as fait, c'est-à-dire attaquer dans le dernier tournant? Bah disons qu'on n'a pas démarré des plus vite. Hein. Franchement, on n'a pas démarré vite. Je me suis retrouvé là, la place que je voulais un peu. Et après, bah, au 700, il s'est montré très fort. Hein. C'était son prix d'Amérique à lui, à ce cheval-là, parce qu'il manque de maniabilité pour les grandes courses d'âge, je pense. Donc 3000 mètres, ça nous a aidés. Et il gagne avec la manière, et il les a déposés pour finir. Ouais, non mais le cheval était tip-top, déféré des 4, il avait été une fois dans sa vie, il avait fait la faute au bout de 1000 mètres de course, donc ça comptait pas, en retrait c'était très bien. Puis là on a retenté des 4 et puis il s'est envolé. Tu t'es pas trompé de monture? Non, pour un coup. J'ai gagné, je suis second du 4 et là je gagne le 5. Les 4 derniers critériums, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien, on est en plus, c'est gentil. Seb Vabellino, il gagne avec la manière, est-ce que c'est une surprise pour toi? Une surprise, oui, quand même un peu. On comptait être dans les 5 premiers parce que c'est un cheval très très dur à l'effort. Et puis là, on a fait 2-3 changements avant la course. On avait décidé de mettre un bonnet fermé et puis changer la ferrure quoi, pour l'améliorer parce que c'est un cheval qui a beaucoup de poids en principe aux jambes. On a déféré les 4 avec une bonne paire de cloches. Et puis le cheval, il est bien parti cette fois-ci avec le bonnet fermé, il a pu prendre une bonne place. Et puis en haut de la montée, j'ai dit là c'est bon, parce que, enfin c'est bon, il va pas caler, lui il calera pas, il sera peut-être battu pour un sprint, mais il sera pas sur les 3 premiers quoi, en haut de la montée. Et quand il a débordé l'autre, j'ai dit c'est bon, on va au poteau. Et qu'est-ce qui t'a vraiment décidé à venir sur ce critérium? Parce que l'opposition était sérieuse aujourd'hui. Ça fait déjà 4-5 mois qu'on décide de le qualifier pour ça. Hein. Avec Eric, on a dit qu'on court le 3000 mètres, c'est fait pour lui. C'est un cheval, je pense à l'avenir, il sera taillé pour faire un prix de Paris. Voilà, c'est un cheval de grosse tenue et puis on a couru en province pour le monter en gain. On n'était pas sûr de nous au départ, puis après il avait gagné une belle course à, je crois c'est à Vincennes ou en gain. Donc on a pris les gains, c'est super. Voilà. Franck Vulquin, battu mais content. Ah ouais, je suis content d'être second quand même, c'est déjà pas mal. C'est un cheval qui est quand même un peu spécial, donc déjà second d'une belle course comme ça, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est un cheval qui est arrivé en début d'année 4 ans chez moi, il n'avait pas de gain. Donc, là, à ce niveau-là, c'est quand même pas mal. Avant le critérium, il y avait une confiance que... Enfin, tu avais une certaine confiance qu'on ne voit rarement avoir. Qu'est-ce qui t'incitait à être aussi chaud que ça? Ah, mon chat était bien au travail, il avait très très bien travaillé. Et non, j'étais assez confiant, je pensais que ça allait aller. Maintenant, les courses allaient courir pour le savoir, mais je sentais que mon chat était vraiment très bien. Et il ne m'a pas déçu, bien au contraire. Eric, des satisfactions et des regrets? Non, le cheval s'est bien livré comme d'habitude. Dans les 50 derniers mètres, c'est même lui qui en a refait, puisqu'il était encore quatrième à 50 mètres du poteau. Il est venu prendre la troisième place. J'ai même cru être venu rechercher Franck. Mais non, j'aurais été plus déçu si c'était la lutte pour la victoire, c'était la lutte pour la seconde place. Le cheval a fait une superbe course. Oui, tu t'attendais à ce qu'il court, qu'il fasse cette valeur? Oui, oui, il prouve à toutes les courses que c'est un cheval qui est battant. Et là, aujourd'hui, sur une distance qui n'est pas pour lui sa meilleure, je préfère que j'arrête pas de le dire sur des parcours de vitesse. Et là, il s'est une nouvelle fois bien, bien battu. Pierrot, quatrième avec Very Nice, et je pense qu'il doit y avoir quelques regrets. Oui, c'est... Bon, déjà, le cheval était dans le même état de forme que dans le prix Jockey, c'est-à-dire un chouïa moins brillant que lors de ses 3 dernières victoires. Et il n'avait pas cette tonicité qu'il avait lors de ses victoires. Et bon, il a couru, il fait sa course, hein, il n'y a rien à lui reprocher, mais le petit plus qui fait l'écart n'est pas là. Et ce wagon 2 qui n'est pas bon? Le wagon 2 qui n'est pas bon, après c'est des choix tactiques. L'entourage m'avait demandé de ne pas aller à la corde, je pense que c'est une erreur. La preuve, c'est que l'arrivée dans le premier tournant, c'est tout le wagon de la corde. Après, bon, on peut refaire la course 10 fois, c'est sûr. C'est un peu dommage. Je pense que si je suis devant Victoire dans le premier tournant, je laisse passer Vulquin de Vandel et Vabellino, je peux logiquement penser que j'aurais été second. Mais on n'aurait pas battu le vainqueur qui est au-dessus de Méléo GB.
Mathieu, 5e, est-ce qu'elle est à sa place aujourd'hui? Oui, je pense. Moi, j'étais un petit peu gourmand dans l'intendance, j'avais le temps de sortir du dos de Franck qui m'est reparti sous le nez. Après, est-ce que j'aurais été 4, 5, c'est des détails. La jument, elle fait sa course, on a eu un très bon parcours. Elle est battue par les mâles, elle résiste toujours, elle était là à 3 ans, elle marche 13-1. On ne peut pas lui demander l'impossible.